est à la 11e édition cette année, la 12e année d'existence, mais la 11e édition, parce qu'il y a eu une année blanche en 2012, où on n'a pas fait de festival. L'idée du festival, en fait, il y a trois axes. Il y a la formation, c'était l'axe le plus important dès le départ, c'est-à-dire on a des ateliers de formation à l'écriture de scénarios fiction, à l'écriture documentaire et quand nous avons un peu plus de moyens, à d'autres ateliers techniques. Alors, je m'appelle Chantal Richard et je suis cinéaste de fiction et de documentaire et à l'heure actuelle essentiellement de documentaire. Ça fait longtemps, hein. Ça fait peut-être, je crois, la 6e fois que je viens. La première fois, j'y étais amenée par des amis, en fait, qui déjà étaient en contact avec David Constantin et Gopalen chez Parmal. Et puis, on a décidé de monter une petite collection qui a comme titre « Notre histoire n'a pas d'image », qui était un peu un sujet important à Maurice de dépasser l'image publicitaire, stéréotypée, tout ça. Nous accompagnons aussi les projets justement qui sont travaillés en atelier. Nous les accompagnons au courant de l'année qui suit pour les mettre en production et pour permettre aux réalisateurs de mener à bien leurs projets dans des conditions correctes. Donc ce qui implique aussi une partie de financement de notre part, des productions. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu une volonté politique affirmée de développer un cinéma mauricien pour un public mauricien. Lorsque les pouvoirs publics parlent de cinéma Maurice, on nous parle d'abord d'industrie du cinéma. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, le cinéma mauricien, c'est un plateau de tournage sur lequel viennent tourner beaucoup Bollywood et maintenant un peu Hollywood qui commence à arriver avec des gros tournages, des gros moyens dans un système mauricien très flexible qui permet quasiment de venir travailler ici sans avoir recours à de l'emploi local. Il ne faut pas tout jeter, je pense qu'il y a eu un gros effort de fait du point de vue technique, du point de vue industriel, entre guillemets, si on peut parler d'industrie, c'est-à-dire qu'il y a de l'équipement sur place, il y a un petit peu de personnel qualifié, compétent, mais je crois qu'on a complètement abandonné la créativité. Moi, ce que je connais, c'est les cinéastes qui ont envie d'avoir une parole singulière, qu'elle soit en fiction, en documentaire ou en animation. Et donc, ça fait effectivement à peu près 10-12 ans, je crois, que je les suis. J'ai l'impression qu'il y a une vraie émergence. Au niveau documentaire, il y a des projets qui sont plus riches hein, que c'était au départ. Il y a eu quand même le long métrage de David qui a été quand même un saut important dans la production indépendante mauricienne. Et mon impression, c'est qu'il y a vraiment des talents. Il y a une espèce de réservoir d'histoire ici qui est proprement incroyable. Le souci pour moi, c'est de montrer ces films qui se font. ILCO, c'est un petit peu la bouffée d'air tous les ans, où on voit plein d'autres choses, des formes différentes, des thématiques différentes. Et en même temps, quelque chose qui chaque année, à travers les thématiques un peu transversales à la programmation de chaque année, où on voit apparaître un petit peu ce qui anime les cinéastes dans le monde. Je suis Vincent Toy, réalisateur. Réalisateur du Cri du Lambic qui vient de Scream. Le film est à propos d'un esclave roi, Marc Andal, qui raconte l'histoire de la révolution haïtienne et en parallèle une histoire d'un homme qui traverse des périples dans ce pays. Ce festival, c'est le festival que je voulais être parce que je suis mauricien. Et le film a fait plein de festivals, plus d'une trentaine. Et je pense que ça va être un des derniers. Donc, je suis très heureux d'être là à l'ILCO. Hi, my name is Reema Sengupta. I'm the writer, director and editor of a short film called Counterfeit Kung Fu from India. Lol. So, Counterfeit Kung Fu is a 15-minute narrative drama about a woman trying to find a house to rent in Mumbai as a woman without a husband. It talks about housing discrimination, marital rape, and the need for sexual liberation. I never expected it to have such a magnificent festival life. The first thing we know, it's having its world premiere at the Sundance Film Festival where it's representing India. Our European premiere was at Clermont-Ferrand. Since then, we've been at over 85 film festivals. We've won 19 awards. But I have to say, this has to be one of the most intimate film festivals I've ever been a part of. The kind of warmth and hospitality that the festival has been showering upon us has been so refreshing. Je m'appelle Kim Yip Tong et je suis artiste multidisciplinaire en fait. J'ai présenté le film d'animation Tanimena.
Alors, le film est né lors d'une résidence d'art que j'ai faite en juin dernier à l'Isar Gallery, qui se trouve à Madagascar. Et donc, j'ai organisé un workshop en animation stop motion. Et du coup, j'ai introduit les participants à la technique et je leur ai demandé de faire des dessins de leur ville, de Tananarive, de me raconter ce qu'ils voulaient en fait, que ce soit pour le passé, du présent, du futur, que ce soit des anecdotes, juste qu'ils me racontent leur ville. Et donc après, j'ai pris leurs dessins, je les ai animés, j'ai enregistré les voix et voilà, ça donne un film qui parle de Tana, qui parle de Mada et voilà. Ce qui demeure précieux, c'est les rencontres. C'est-à-dire que c'est on voit qu'il y a des gens qui viennent de la Réunion ou d'autres pays, et je crois que ça, c'est important pour les Mauriciens, à la fois les spectateurs et puis les gens qui travaillent dans le cinéma. D'entendre comme ça d'autres voix, de voir des films un petit peu différents, ça, je crois que c'est une belle opportunité pour tout le monde, et ça, je crois que ça demeure particulièrement précieux. Mais je pense que l'agence essaye plutôt d'opérer un virage et des rapprochements avec d'autres plateformes, par exemple Tank Documentaire ou d'autres, et de créer à terme peut-être une plateforme un peu commune où les gens pourraient s'abonner avec des différents niveaux aux trois. Enfin bon, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. De la génération qui aussi nous ne pouvons plus faire des films et attendre que le médium de diffusion soit toujours la salle. C'est un canal de diffusion, mais c'est plus le seul. Et je pense que les plateformes telles que celles que nous développons, celles qui sont développées en ce moment, sont importantes parce que c'est ça qui assure une visibilité au plus grand nombre, qui vont permettre au film aussi de voyager quelque part, puisque les connexions ne sont plus uniquement au niveau local. Mais ce qui veut dire aussi que nous devons nous-mêmes avoir une exigence de qualité encore plus forte sur la qualité des films, sur la qualité de ce que nous racontons, et puis sur quelque chose qui me semble essentiel et que nous n'avons pas encore compris, c'est que ce qui intéresse un spectateur en Angleterre, en France ou ailleurs, à regarder un film mauricien, c'est un regard sur Maurice. Et c'est pas de voir un film qui a copié un truc de Hollywood ou de Bollywood ou de machin.